Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche vidéo humeur du jour. Humeur du jour, nous sommes le je sais plus, le vendredi. Oh, déjà vendredi, mais c'est pas possible ça. Vendredi 10 10 mai. Wow, ça a passé une vitesse dingue. Je suis sur ma toile Oraloa pour les fadas, pour le sale des fadas. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, attendez, je pique juste là. Pof. Je vous montre où j'en suis. Alors, j'ai pas fait du tout de point de croix hier. J'ai pas eu le temps en fait hier de faire du point de croix. J'ai fait carrément autre chose. Alors, voilà où j'en suis. Je sais pas si on arriverait à l'avoir un peu mieux. Je vais essayer de lever ça. Joli, hein. Donc, ma case du mois de mai, là. Bah écoutez, il me reste quand même pas mal à faire dessus, hein. On est quand même le 10 mai. Bon, allez, je travaille pas dimanche, lundi, mardi. Je vais essayer d'avancer ça bien. Samedi, je travaille en coupé, mais ça va être compliqué de prendre cette toile-là pour moi, le boulot. Donc, je vais pas la prendre. Je prendrai un livre. Je pense que je resterai au travail. Je sais pas trop. Voilà, donc pas mal quand même, hein. Elle va vraiment être jolie. Le rendu va vraiment être super. Alors, les fleurs, franchement, les couleurs des fleurs, moi, je trouve que c'est vraiment super beau. Super beau. Voilà, trop contente de cette toile qui est vraiment magnifique. Où j'en suis pour l'instant. J'aimerais bien quand même avancer, bien avancer cette case parce que j'ai d'autres points de croix à faire. Et si j'avance pas, et ben ça va être compliqué pour les faire. Je voudrais faire ma fleur du mois de mai. Et en fait, j'ai deux fleurs, j'ai vu au mois de mai à faire sur mes deux petits calendriers. Donc ça, il faut que je les fasse. Ouais, voilà. Bon, écoutez, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, ça a été journée entre filles avec, avec Sonia de la chaîne Soso. Et c'est passe-temps. Oh, ça nous a fait du bien. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré ma journée d'hier. Oups. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez... On a deux... Enfin, on a quand même la chance, nous, d'avoir des magasins Nose. On en a déjà deux. Je crois qu'il y en a un troisième, même à froid. Mais on a fait déjà deux magasins Nose. On a fait deux actions. Hier, j'ai pas trop dépensé. Je m'étais mis un budget 50 euros avec le repas du midi et j'ai dépassé de 5 euros, presque 6 euros. Ça va. J'ai été quand même assez raisonnable, surtout que je me suis pris un petit rangement en bois là à 17 euros. Que, franchement, j'ai longtemps hésité. Hein, j'ai hésité. Puis Sonia qui arrêtait pas de dire vas-y, prends-le. Non, moi, ce serait moi. Moi, ma pièce, elle n'est pas encore finie, mais si elle serait finie, elle ne me serait pas posé la question, machin. Hein, Sonia? Hein, tentatrice. Du coup, ben, je l'ai pris. Donc, je me dis qu'avec ce meuble à 17 balles, ça va quoi. Hein, j'ai... C'est pas mal. J'ai... Ouais. Ça va. Hein. Enfin, on a pris beaucoup de choses pour le scrap. De toute façon, je voulais pas prendre Diamond Painting et puis Sonia non plus. Diamond Painting, on a vraiment tout ce qu'il faut. Hein, mais ouais. On a vu de jolies broderies chez Noz, mais de très très belles broderies chez Noz, mais c'était du point compté. Franchement, il y en avait une, c'était très belle, c'était un hibou, très joli, il y avait vraiment des super trucs super sympas, mais c'était du point compté. Et il y avait vraiment aussi les broderies, la vraie broderie, qui était vraiment sympa. Et en plus, je crois que c'était la marque DMC, je crois, c'était... Ouais. Vraiment très joli, mais non, on n'en a pas pris. De toute façon, pour prendre, et puis finalement, ne pas faire, c'est pas la peine. Tarif n'était pas excessif, hein, c'était 2,50 € je crois, la broderie, il me semble. Mais c'est vraiment très chouette. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a papoté, hein, comme des filles, hein. Ça fait du bien de papoter. Ouais. C'est vraiment bien. Super journée, franchement, à refaire. À refaire. Ouais, c'est cool. Bah aujourd'hui, bah du coup, je travaille cet après-midi.
Rendez-vous dentiste à 10h du matin. Faut pas que j'oublie de prendre mes papiers. Nom de vie, là. Signé. Faut pas que j'oublie de le prendre, le truc là. De toute façon, je me suis mis une alarme sur mon téléphone à 9h15 pour les papiers de dentiste. Ouais, normalement, c'est la dernière, je crois. On verra bien. Ou peut-être l'avant-dernière. Des dartrages, peut-être après, je crois. Oh, je m'en rappelle plus. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, ma dentiste. Hop, ça. Oh, est-ce que j'aurai assez pour terminer mes petites croix là? Je sais pas. Hein. Oh, est-ce que j'aurai assez? Je ne pense pas. On va aller voilà un petit peu, donc une heure, un jour, bah ça va quoi. Mon mari va rentrer du travail à 6h30 là. Et moi je suis déjà debout. Incroyable. En fait, je crois que je suis réveillée depuis 3h30 du matin. Je me suis couchée hier, il était 21h30. J'ai commencé à regarder un petit peu les animaux fantastiques là. Et je me suis endormie devant. Et je crois qu'à 21h30, je dormais. Donc voilà, et donc c'est normal qu'à 3h du matin, 3h du matin, ben, je suis réveillée, hein, forcément. Forcément. Ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr, hein, j'ai envie de dire. C'est dingue quand même. Puis en plus, Marty était dans le couloir, là, mais il n'a pas arrêté de se lécher sa patoune qu'il a mal, là, vu qu'il a de l'arthrose. Et je l'ai entendu toute la nuit, quoi, se lécher. Et puis là, il fait quoi? Il dort. Il dort, le gaillard. Et moi, bah, je suis réveillée. Oh, c'est terrible. Franchement, ne pas dormir comme ça, je trouve ça quand même assez terrible, quoi. De dormir que 4 heures par nuit, voire 5 heures par nuit. Puis après, je m'étonne que l'après-midi, j'ai un coup de barre. Hier après-midi, en fait, en rentrant ma journée, donc j'ai fait mes 2-3 vidéos que j'avais à faire, etc. etc. Et arrivé 5h30, j'ai waouh, j'ai les yeux qui se fermaient tout seul. Et du coup, ben, je me suis allongée sur le lit, là, je suis dans mon bureau, le canapé lit, je suis dans mon bureau, je me suis allongée dessus, je crois que j'ai fermé les yeux pendant une demi-heure. Ben oui, hein, forcément. Forcément. C'est quand même terrible. Là, je vais travailler cet après-midi, donc j'ai pas intérêt à avoir un coup de barre. Oh, quoique lorsque je suis au travail l'après-midi, j'ai pas de coup de barre. Hein. J'ai pas trop le temps, en fait, d'avoir un coup de barre. Allez, alors du coup, là, je l'arrête là. Et je vais reprendre de l'autre côté cette couleur. Hop. J'aurais fait un petit peu avec vous. Matin, c'est quoi ça? J'ai des fils, je sais pas d'où ils sortent. Donc sur mon autre chaîne YouTube, Jackie Diamond and Scrap, je crois que j'ai des vidéos jusqu'au 15, 14 ou 15 mai qui sont programmées, une vidéo par jour. Non, je vais prendre comme ça puisque j'ai fait un nœud. Et il y en aura certainement d'autres. J'ai fait beaucoup de scrap. Je suis en train de faire préparer un vlog qui sera. Je sais pas quand est-ce que je le mettrai, le vlog. Certainement dimanche, puisque je travaille samedi. Certainement dimanche, je le mettrai en ligne. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à venir sur mon autre chaîne YouTube. Là, j'ai un partenariat qui va arriver VIP Cross Stitch. Vous verrez la vidéo. La semaine prochaine, puisque j'ai reçu le mail comme quoi ça avait été expédié, donc je pense que d'ici mardi, ce sera certainement arrivé. Alors, ce sont des toiles, vous verrez un peu des toiles qui ne me correspondent absolument pas. C'est un choix, voilà, que j'ai fait. Voir un petit peu autre chose. J'ai voulu voir, voilà, comment c'était, voilà. Voir autre chose, c'est vraiment pas du tout mon style de toile que j'ai pris. Ouais, je vais prendre autre chose.
Ben voilà, ben j'avance tout doucement. Franchement, il avance bien, mais c'est juste que il faudrait que je fasse du point croix pendant peut-être 2 heures ce matin. Si j'ai le temps, parce que j'ai pas que ça à faire, hein. J'ai une maison aussi à entretenir, n'est-ce pas? Quoique tant que mon mari n'est pas encore rentré, je peux faire du point de croix. Et après, une fois qu'il est rentré, je lui dirai. Ah bah non, je viens juste de me lever, moi, en fait. Menteuse. Ah là là, et ça, il le sait très bien. Il le sait que je dors pas beaucoup. Ah, c'est terrible. Puis là, il y a les oiseaux. On entend les oiseaux, c'est trop bien, j'adore ça. J'adore entendre les oiseaux le matin. Voilà. Après, je vais où avec cette couleur? De l'autre côté. Je retourne de l'autre côté. Mais écoutez, moi, je vous laisse là pour l'humeur du jour. Donc, vous voyez, ça va très, très bien. Il n'y a pas de souci. Et je vous dis bah, à la prochaine. Peut-être pas demain. Peut-être. Non, les samedis, demain samedi, je travaille. Peut-être dimanche matin. Comme dimanche, je ne travaille pas. Allez, bye bye tout le monde et passez une très très bonne journée.